Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez beaucoup demandé et vous étiez nombreux à l'attendre, donc ce sera la vidéo de la visite de mon centre équestre, donc j'espère que ça va vous plaire. Dernière vidéo où je présentais mon centre équestre, donc vous pouvez la retrouver, c'était au tout début de ma chaîne. Le centre équestre était vraiment très grand, c'était pas assez réaliste, il y avait beaucoup de box, donc là il y en a moins, les bâtiments sont plus réalistes. Pour tous les bâtiments que je vais présenter, vous pourrez retrouver les vidéos sur ma chaîne YouTube, donc avec les tutos. Comme le centre équestre est plus petit, je n'ai pas eu assez de place pour mettre toutes mes figurines, mais je vais bientôt faire un collection tour où vous pourrez retrouver toutes mes figurines que j'ai. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voici l'entrée du centre équestre. Il s'appelle toujours le centre équestre du carrousel. On peut voir qu'il y a deux niches avec plusieurs chiens et il y a une petite fille qui joue avec eux. Donc il y a Ruby et Taffy, Roxy qui joue avec le ballon, Isba dans la niche et le chien dans le panier s'appelle Zoro. Puis on passe à un parking où il y a tous les véhicules du centre équestre, donc il y a le van, le pick-up et le camion vétérinaire. Ensuite à côté il y a la sellerie avec un petit panneau écrit sellerie au-dessus de la porte. Elle se présente comme ceci. Là il y a Noémie qui va ranger une selle, il y a deux petits jetons au centre. Ici c'est un petit bac d'eau pour nettoyer les morts. Face à droite de l'entrée, donc il y a l'accueil avec un petit panneau comme sur la sellerie au-dessus. À l'intérieur, on a Lison qui regarde qui elle monte aujourd'hui. Et là, il y a Apolline qui s'occupe de l'accueil. L'accueil est le bâtiment où on peut prendre des cours d'équitation. Aussi savoir quel cheval on monte. À côté, on a le clubhouse. Donc en fait, devant, il y a une terrasse. Donc c'est là toute l'année et les cavaliers du coup peuvent aussi manger dehors et à l'intérieur. Et là on a Oska qui regarde les cavaliers manger. Je vous montre l'intérieur, donc sur les côtés comme vous pouvez le voir il y a plusieurs fenêtres. Voici Tom qui s'occupe du clubhouse. Là on a Emma qui commande de la nourriture avec un chien qui s'appelle Martin. Ici Chloé regarde dans l'intérieur, donc en fait le clubhouse dedans comme vous pouvez le voir il y a des grandes baies vitrées pour que les cavaliers regardent dans la carrière ce qui se passe. Du restant du clubhouse, donc il y a beaucoup de tables, de cavaliers, etc. Ici on a Milka qui s'étire sur le tapis et dans le clubhouse au fond à droite il y a un côté où les enfants peuvent lire, se reposer, réviser leur galop, etc. Un petit chaton qui s'appelle Chippy. Devant il y a Elisa. Ici il y a Mélanie qui part avec son cheval Totem en balade et Gomette la chienne qui les suit. À côté, voici un petit manège, un cours d'équitation et les enfants font des pony games. Ici, on a Ambre et Diabolo, Luan et Comtesse, Mia et Réglisse, leur moniteur qui s'appelle Arthur, Ninon et Vulcain, Charlène et Galant, et voilà pour le manège. En face du manège, on a une petite écurie. Donc là, il y a Espoir avec sa cavalière, la directrice du centre équestre. Elle s'appelle Olivia. Devant, il y a un petit château. Cette écurie, je vous la présente juste après. On va passer à la grande. Donc là, il y a plusieurs familles de chevaux. Elle se présente comme ça. Dans le premier box, on a Halloween et Paillette. Puis Opale et Tonnerre. Avec Jade devant. Là le petit chat s'appelle Plume. Ici il y a Espion et Divix et Révérence qui dans la carrière. Là Nicolas remet de la paille dans un box. Puis ici nous avons Nuage et Tornade. Devant il y a une chienne qui s'appelle Magda. Et la cavalière s'appelle Anaïs. Voici le box de Saphir et Éclair. Le box de Fusion, Altesse et Topaz. Pour finir, le box de Alaska et son poulain, Boomerang. Donc voici à quoi ressemble la grande écurie. Puis à côté, il y a deux douches. Ici, Sophia brosse Baron, avec un petit chien qui s'appelle Oreo. Puis voici un terrain de cross, donc ici il y a Marcus avec Pacifique, Stéphanie et Luna, la monitrice qui s'appelle Liane et sa chienne Nala, Apolline et Ouragan se préparent à sauter l'obstacle, juste ici il y a Junie et Duchesse. À
Maintenant, je vais vous présenter la petite écurie. Voici un chiot qui s'appelle Pirate. Juste ici, Mélanie qui brosse Vénix. Et Julien qui remet de la paille dans le box. De Luce et Zéphyr qui sont dehors. Justine se promène en balade en calèche avec Boule de Neige. Et le chien s'appelle Itak. Puis je vous montre la grande carrière. On a Lisa et Flika, Morgane et Rivière, Erin et Danseur. Là, il y a Clara avec Tempête, Moniteur qui s'appelle Thomas. Inès avec Apple. Cette carrière à côté, il y a une carrière de dressage. Donc ici, il y a Daphné et Révérence. Et Laura et Orion. Un podium avec une coupe, des flots, etc. pour les gagnants lors des concours. Ensuite, je vais vous montrer le rond de longe. Sophie fait du travail à pied avec Artiste. Mathilde les prend en photo. Le chien à côté s'appelle Rock. Ici, il y a Gomette et son chiot Bonbon. La personne s'appelle Caroline. À côté, il y a une salle vétérinaire. Lina, la vétérinaire du club, soigne un petit lapin qui a été recueilli par le centre équestre. Alice a pris un lapin dans ses bras. Donc là, il y a deux enclos. Donc il y en a un avec des lapins. Et à côté, un enclos avec un petit cochon qui s'appelle Trognon. Une vue d'ensemble de ce que je vous ai déjà montré. Et pour finir, je vais vous présenter les prêts. Donc là, devant, il y a trois petits chiots. Le blanc s'appelle Snowflake, à droite, il s'appelle Guimauve, et au milieu, il s'appelle Plouf. Pour commencer, on a Balou et Biscotte, ensuite Pin-Up, Vanille et son poulain Flocon. Donc dans ce prix, il n'y a que des poneys, et là, il reste Philae. Devant, il y a Clémence. Ensuite, on passe au deuxième prix, donc là, il y a des poulinières avec leur poulain, Daisy et Étoile Filante, une et son poulain Volcan. Au fond, Johnny ramasse des crottins. Et ce troisième prix, c'est encore des poulinières avec leur poulain, donc il y a Ariel et Scout, Cléo et Zoé qui leur donnent des friandises. Et à côté, la chienne s'appelle Carla. Ici, on a Musique avec son poulain Étincelle. Et Unanime et sa pouliche Mascara. Une dernière vue d'ensemble de tout mon centre équestre. Vous étiez beaucoup à attendre cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré filmer cette vidéo. Si vous avez des idées ou des conseils pour mon centre équestre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!